Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Leclerc au rayon mode pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a en rayon. Il y a plein d'articles sympas, pas très chers, en tissaya. Regardez cette robe de soirée pailletée, elle est à 20 €. Chez tissaya, ça monte assez dans les tailles, on va jusqu'au 58, facile. Donc 20 € cette robe, je ne vous ai même pas montré tellement que j'étais pressée de voir la suite. Vous me connaissez à force. Regardez, c'est une coupe droite par contre, elle est bien resserrée au niveau de la taille. 20 €. Toujours à 20 €, on a une combinaison ici. Alors il n'y a pas de paillettes, on a un petit col, dentelle. C'est une coupe un peu carotte, c'est pas tout à fait moulant. C'est ajusté, on va dire. Le lien pour nouer autour de la taille. Et à l'arrière, ça donne ça. Et ici, on a un autre modèle un peu plus coloré sur le haut de la combi. Et aussi, c'est de la fine bretelle, si on aime. En bas, ça descend un peu plus large. Elle est à 20 € aussi. Côté robe, j'ai ce modèle à vous proposer. Légèrement évasé, à 25 € la robe. Attendez. Non, c'est 25 € le prix de base. Et en fait, elle est à 20 € aussi. Donc ça, c'est une petite taille. C'est une 36. Mais il y a différents coloris. Excusez-moi, je cherche la lumière. Voilà ce que ça donne. La patineuse que vous voyez derrière, elle est à 10 €. Ça, c'est le dos de la robe. Et l'avant, il est comme ça. Et entre deux, on a ce modèle à 15 €. Celle-ci, elle a tout un col dentelle. Et en dessous, ça part un peu plus fluide. Longueur genou. On a un joli ruban derrière et un petit dos nu. Ah oui, elle est bien ouverte derrière. 15 € la robe. Il y a des belles choses. Et à 20 €, on a ce modèle qui est dentelle jusqu'en bas. Et un peu plus sophistiqué. Regardez les détails au niveau de la taille. Bon, celle-là, en plus, on peut la porter toute l'année. Elle est à 20 €. À 25 €, il y a ce modèle. Alors là, on a que les manches en dentelle. Le reste, c'est une matière un peu crêpe. Avec des petits volants. Un peu plus discrète. Les jolies, il y a tellement de fringues, je ne sais même pas par où commencer. Il faut que je me décide. Allez, je commence en douceur avec cette petite jupe. Elle est plutôt courte. À 15 €, c'est une suédine. La couleur, elle est jolie. C'est une jupe trapèze. Voilà l'arrière de la jupe. Sympa, non? Le petit pull, il est à 28,50 €. On dirait un Givenchy, si on ferme les yeux. ça ressemble à un Givenchy. C'est un col roulé. Donc pareil, il y a toujours plein de tailles. Et regardez-moi cette doudoune. Elle est à 76 €. Je la trouve... Trop jolie. C'est une doudoune capuche. Alors attendez, je vais essayer de vous l'accrocher là par exemple pour vous la montrer de loin. J'ai un problème de lumière, moi ça va pas du tout. Et on a un autre modèle en col moumoute comme ça, c'est aussi 76 €. La qualité, elle est vraiment tip top. Si vous aimez le jaune, je vous propose ce pull à 17 € en maille. Et à 25 €, ils ont rentré des pantalons en velours côtelé, beige. Pareil, il y a plein de tailles. Alors là, particulièrement, il est bien épais, et il est bien fait. Ça se voit que les coupes, elles sont justes. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des magasins. La coupe, ça va pas du tout. Là, ça a l'air d'être des vraies tailles bien foutues. Alors, toujours en tissaya, vous avez ici des gilets. C'est du cachemire. Ils sont à 50 €. J'ai l'impression que le cachemire... pas cher, c'est toujours 50 € dans tous les magasins que j'ai fait. Toutes les pièces étaient à 50 €. On n'avait pas moins cher, on n'avait pas plus cher. Et Leclerc vient de me prouver l'inverse. On a celui-ci à 45 € en orange ligné blanc. Les pulls avec strass, ils sont à 25 €. Faire attention au lavage avec ça. Et derrière, on a des pantalons à carreaux. Stretch, ils sont à 20 € les pantalons avec la petite ceinture en simili. Robe espagnole 25 €. Elle est plus courte à l'avant qu'à l'arrière. Manche longue. Ouais, elle est jolie. Là, ils l'ont présenté avec un petit gilet. On va essayer de le retrouver, le gilet. On va essayer de voir où est-ce qu'il est. Puis en fait, non, on a le prix sur le gilet. Il est à 25 €. Il est tout doux, c'est des manches 3/4. Col roulé gris, tout ce qu'il y a de plus basique, 23 € le pull.
Il est sympa. Alors ça, c'est l'avant ou c'est l'arrière? Ouais, en fait, ça, c'est l'avant. Je vais pas commencer par le bon bout. 23 euros. La chemise avec le détail dentelle, elle coûte 25 euros. Elle est toute fluide. C'est un peu... Oui, c'est du satin. Très, très joli. Si vous cherchez une petite veste en suédine pour mettre sur un top, vous avez ce modèle à 20 euros. Je crois que le mannequin le porte. Regardez. Ouais. C'est celle-là que porte le mannequin. Et regardez-moi ce manteau. Il est à 35 euros. Il est super beau. Franchement, il est trop, trop beau. Un peu style rétro, là, pour tous les jours. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une robe en velours. Elle coûte 30 euros. C'est du velours côtelé ultra fin. Longueur genou. Et en voile, on a ce modèle à 27 euros. Par contre, elle est un peu fraîche, celle-là, pour la saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais qu'elle est un peu fraîche, là. Et du coup, le chemisier que porte le mannequin, c'est celui-là, à 23 euros. Sympa. Et j'allais pas partir sans vous montrer la jupe, qui, elle, est à 25 euros. C'est un peu la jupe de drôle de dame. Vous avez des maxi-robes pull ici, à 20 euros. Vous voyez le tissu? Il est chiné. Pour tous les jours, on a aussi des cols roulés à 15 euros et des gilets en maille chenille à 13 euros. Il est vraiment très beau celui-là, j'adore la maille chenille. À côté, on a un autre pull à 15 euros. Voilà, alors le détail qu'il y a ici, c'est les petits boutons là, sur les épaules. Il est un peu plus long, hein. Attendez, je vais vous les mettre bien côte à côte pour que vous voyez. Ça donne ça. Et là, si vous n'avez pas peur du jaune, on a ce pull à 25 euros avec écrit « Oh là là » dessus. Les amis, ils ont rentré des nouveautés au rayon chaussures. Vous n'êtes pas prêtes, regardez-moi ça. Canon, la paire de bottines. Elle existe en noir aussi. Oh, j'ai pas le prix, hein. Je suis juste en train de vous dire que c'est beau. Moins 20%. Elles sont à 32 euros, moins 20%. Ah non, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Regardez. Sympa, non? Pour le coup, je crois que je les préfère en marron, comme ça. Donc, je vous ai dit quoi? La nana qui oublie tout. C'est 32 euros, moins 20% remise effectuée en caisse. Si vous n'aimez pas les talons, il y a 7 paires en suédine. Elles sont à 30 euros, moins 20% en caisse aussi. Celles-là sont à 20 euros, moins 20% en caisse. En fait, tout est à moins 20%. Comme ça, c'est clair. Je vous donne le prix et sachez que tout est à moins 20%. Celles-ci, elles sont à 20 euros. Donc ça revient à 16 après remise. On a du rouge ici, du rouge assez discret. Prix de base 30 euros avant remise. Pour les femmes sexy, on a 7 paires à 30 euros, non 25 euros. 7 paires de bottines, elle est à 35 euros. Donc avec le talon un peu gomme. Et je vais vous montrer, là il y a des bottes en cuir à 50 euros avant remise. Vous voyez le talon, il est pas mal, hein, pas trop haut. Il y a aussi des bottines à 40 euros avant remise. Ça fait 4 x 2, 8, 32 euros la paire en cuir. C'est pas mal. Et 5 x 2, 10, 30 euros la paire de bottes en cuir. En simili, il y a aussi celle-ci à 35 euros, moins 20%. Donc, vous voyez, il y a plein de paires différentes, y compris des baskets. Hein. On est à 17 euros la paire avant remise. Les derbies, elles sont à 20 euros avant la promo. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.